Salut tout le monde, c'est Vince. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo spéciale série inconnue où je vais faire une critique sur trois séries que j'ai sélectionnées. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que les séries inconnues, alors c'est une vieille rubrique qui date de l'époque de mes débuts sur YouTube où je fais des critiques sur diverses séries étrangères, qu'elles soient animées ou en live. Ce sont les séries que je vais vous en parler. Alors les séries inconnues, ce sont des séries qui ont diverses. Alors, oui, les critiques que j'ai fait à propos des séries inconnues, qu'est-ce que c'est? Alors, je vais vous expliquer. Il s'agit en fait d'une rubrique qui parle des séries étrangères qui n'ont jamais été diffusées en France. Jamais. Hein. Alors, ça peut être soit des séries japonaises qui n'ont jamais passé chez nous, que ce soit américaines ou autres. Bref, ça peut être n'importe qui. Et donc, je vais en parler. Oui, et ça fait un moment que je voulais en parler parce que je voulais au départ en faire une, mais j'étais un petit peu malheureusement pris par mes occupations entre les tournages et avec les décalés, mes trucs personnels, etc. 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 Mais bon, c'est pas grave, je vais quand même en parler puisque c'est le sujet de la vidéo. Donc, c'est parti pour notre rubrique spéciale, les séries inconnues. Go! La première série que je vais parler, il s'agit de Watatato, une série canadienne, plus québécoise pour être plus précis, qui a été diffusée en 1991 et qui s'est arrêtée aux alentours de l'année 2005. Voilà, je vous explique ce que c'est. Alors, Watatato est un feuilleton télévisé québécois de 1220 épisodes. Ça va, c'est bien, de 25 minutes, réalisé par Michel Berthiaume et Michel Tardy, diffusé entre le 17 septembre 1991 et s'est terminé comme le 21 février 2005 à la télévision de Radio-Canada. Alors, je vous explique le sérieux de ce que c'est. Alors, téléroman racontant les expériences vécues par les adolescents avec leur famille, leurs amours, leur amitié, leur joie et leur peine. Quatre familles faisaient partie du scénario. La série a été en onde pendant 14 ans et s'adressait aux jeunes de 12-17 ans. Oui, autrement dit, c'est une série 100% ado, quoi. Hein? Mathieu, je suis ton avocat. Faut que tu me dises tout, c'est dans ton intérêt. Je suis là pour t'aider et te défendre. T'as fait ça pour quelqu'un ou c'est une invention, ça? Puis même si c'était vrai, ça me donne rien que l'autre aussi aille en dedans. Alors, faut dire que franchement, la série, mais je sais pas pourquoi, mais elle a tendance à exploser le quatrième mur du son, je sais pas pourquoi. Et pourtant, d'après les commentaires, cette série culte qui a duré 14 saisons traite une variété de sujets successifs de toucher la vie des adolescents initialement conçue pour un public d'âgé environ 14 ans. L'émission est aussi reconnue pour son nombre d'impressionnants de personnages. Ok? Si le contenu de Watatato a su s'adapter aux époques et aux différents sujets d'actualité, événements d'internet, taxage, en milieu scolaire, etc., etc., l'émission fut aussi raillée pour certains paradoxes. Si la vie des adolescents était recréée le plus fidèlement possible, aucun personnage en revanche ne fumait de cigarettes. Oui, bah, donc pour ta quoi cette série est 100% anti-tabac. Alors, Watatato a permis de nombreux comédiens de faire leur première hasard à la télévision, notamment Serge Postigo, Véronique Bannon, Charles Lafortune, Marie-Lise Bourque et Catherine Lune-Rollet, Karine Pellier, Caroline Gendron, Jessica Malka, ainsi que plusieurs auteurs se sont aussi fait reconnaître avec cette série, dont Richard Blermet, Les hauts et les bas de Sophie Paquin, Le monde de Charlotte et Isabelle Longoire dans Rumeur. Voilà, ok. Le nom du concept original est inspiré du mot Watetano qui provient d'un dialecte algonquin. Oui, parce que Watatato signifie, alors d'après ce que j'ai compris, ce mot signifie à la fois joie, bonheur, étonnement. Et sa sonorité fut modélisée par Jean-Pierre Morin pour résonner auprès des adolescents québécois. La première saison datée de 1991, puisque que je rappelle que la série date de 1991, contenait un volet interactif accessible aux abonnés Vidéoway et Vidéotron, mais a été abandonné à la saison suivante, faute de financement. Et pourtant,
cette série, franchement, elle est plutôt pas mal. Elle a reçu pas mal de récompenses, ceci dit. Alors, elle a reçu le prix Gémeaux. Alors, je sais pas ce que c'est que le prix Gémeaux. Ça doit être probablement une sorte de prix concours, je sais pas. En 1992, 93 pour meilleure émission ou série jeunesse. 94 pour meilleure réalisation, émission ou série jeunesse. Ok. Ensuite, un autre grand prix de Gémeaux datant de 1999, première émission aussi, et jeunesse de 13-17 ans, idem pour le cours de l'année 2000. Ensuite, prix de Lys de la Paix en 1992, 13 et 14. Et enfin, prix du mérite du français en 98 et 99. Waouh! Hey, cette série, franchement, même si elle n'a jamais été diffusée en France, mais plus souvent diffusée au Québec, elle mérite vraiment son pesant d'or. Eh, sans déconner, j'ai l'impression de voir un ancêtre de Hélène et les garçons. Non, je déconne. En fait, cette série, cette série s'inspire d'une autre série québécoise, à savoir Ramdam. Voilà donc, mesdames et messieurs, c'était donc la première série inconnue que j'ai citée. C'était donc Boîte à Tato, une série québécoise. Maintenant, on va s'intéresser tout de suite à une autre série tout aussi... assez bien, même si bon, elle vaut pas, bon, elle vaut pas mieux la précédente, à savoir El Chavo. Alors, El Chavo ou El Chavo del Ocho, qui signifie le garçon du 8e, est une série télévisée mexicaine de 420 épisodes d'environ de 30 minutes, créée par Roberto Gómez Bolaños, dit Chespirito, est diffusée entre le 20 juin 1991 et s'est terminée en 1980 sur la télévision Independiente de Mexico de Televisa. Cette série est inédite dans les pays francophones, donc, dont le titre de ma vidéo, les séries inconnues, puisque c'est une série totalement inconnue chez nous, en France. Alors, je vais vous expliquer quand même le scénario de la série. Alors, un immeuble locatif mexicain, la vecindad, est le théâtre des aventures d'El Chavo del Ocho. Il s'agit d'un jeune garçon d'âge indéterminé, pauvre et sans famille, qui se réfugie durant la journée dans un tonneau. Il est entouré de nombreux personnages récurrents tels Don Ramon, la Chilindrina, Kiko, Doña Florinda, Doña Clotilde, bon, excusez si je parle très pas, je prononce très mal l'espagnol, je suis désolé, pourtant j'ai fait l'espagnol, El Profesor Girafales, El Señor Barriga, avec lequel il vit des aventures quotidiennes mais humoristiques. Ouais, soit, oui, parce que c'est vraiment une série centrée sur l'humour, c'est un petit peu, à la Arnold et Willy, si je puis dire, hein. Donc, là, Don Ramon et sa fille, la Chilichinra, Doña Florinda et son fils Kiko, ainsi que Doña Clotilde, dite la Brura de la 71, la sorcière du 71, parce qu'elle habitait au numéro 71, ok? Secrètement amoureuse de Don Ramon, sont des locataires de l'immeuble dont El Señor Barriga vient régulièrement toucher les loyers. Le président Girafales, amoureux de Doña Florinda, vient régulièrement lui rendre visite avec un bouquet de fleurs. Le Chavo del Ocho, quant à lui, se réfugie souvent dans un tonneau placé dans la cour de l'immeuble. Il observe les va-et-vient des autres personnages et ajoute souvent son grain de sel avec naïveté et maladresse. Oui, ça va, ça a l'air sympa. Franchement, ça a l'air sympa. Hola, maestro Longaniza. L'apellido es Girafales. Ok, je crois que visiblement cette série est très 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 spéciale. Mais vraiment spéciale, quoi. Es cierto. Doña Florinda le dice lombriz de agua puerca. Lombriz de agua puerca. No me volvas a mencionar a la chancluda del 14, ¿oíste? Eh ben putain, à côté de ça, plus belle la vie, c'est c'est l'île aux enfants, quoi. Bon, alors, qu'est-ce que je veux dire à propos de cette série? Bon, ça va, c'est assez sympa, c'est limite assez gentillet, voilà, c'est vraiment de l'humour bon enfant, quoi. Bon, je ne suis pas un grand fan des séries qui ont été diffusées en Amérique latine, hein, y compris au Mexique, mais bon, ça va, franchement, c'est... y a pas à dire, ça va, elle est à la norme, elle est à la norme, voilà. Et maintenant, mesdames et messieurs, accrochez-vous bien, la troisième et dernière série que je vais en parler, il s'agit de Dengeki Sentai Changeman, ou Changeman. Alors, accrochez-vous bien, c'est une série super Sentai, à la Bioman. Non, c'est pas une bague, et je vais vous le prouver. Hidrohi, y allez! Senso! Senso! Senso!
Ok, je crois que j'ai l'impression que on a trouvé une véritable perle. Alors, donc, cette série qui, je vous rappelle, se nomme Den Jeki Sentai Changeman. Alors, qui est une série télévisée japonaise du genre Super Sentai, comme je viens de le dire, en 55 épisodes de 20 minutes, produite en 1985. C'est la première série Sentai à utiliser des créatures issues de la mythologie occidentale comme totem pour les héros et accessoires. La seule série produite entre 1984 et 1990 à ne pas et qui n'a malheureusement pas pu être diffusée en France. Oui, parce que, alors, hormis les autres séries Super Sentai qui ont été diffusées, il y a eu Bioman, Flashman, Turbo Ranger, Jetman, Liveman, Maxman et Jetman. Voilà. Et bien celle-là, c'est une des seules séries Super Sentai qui n'a jamais été diffusée en France. Et c'est ce qui est un petit peu dommage quelque part. Et pourtant, la série, c'est la série qui a précédé Bioman. Et j'ai oublié, cette série, parce que par exemple, Bioman, elle, a été diffusée en 1984 et s'est arrêtée au cours de l'année 85. Et celle-là, après que Bioman ait cessé d'exister, cette série a succédé à Bioman de 1985 à 1986. Puis il y a eu le droit à Flashman, Maxman, etc., etc., hein, jusqu'au Power Rangers. Alors, je vais quand même vous expliquer le synopsis, enfin le scénario. Alors, après avoir conquis des centaines de planètes, la grande ligue stellaire Gozma imagine asseoir son autorité sur Terre. Mais conscient de cette menace, pour y faire face, le commandant Ibuki, membre d'une organisation de défense planétaire, a décidé d'entraîner un groupe de soldats pour faire partie d'une unité d'élite. Lorsque Gozma arrive finalement sur Terre, ils attaquent les soldats en plein entraînement, tuant la majorité d'entre eux. C'est alors que la Terre elle-même réagit au danger, irradiant les 5 soldats restants avec la Earth Force, faisant de les Changeman. Voilà. Alors, vous n'attendez absolument rien de cette série. C'est vraiment du copie conforme de Bioman. Franchement, il suffit juste que des méchants viennent sur Terre et viennent foutre le bordel. 5 héros dotés d'un costume de coloré alors viennent ici pour leur casser la gueule avec leur super pouvoir, etc., etc. Bref, on fourre en boîte quasiment les wagons, quoi. Donc, comme je viens de vous le dire, cette série, à l'instar de Bioman, les 5 héros représentent 5 animaux mythologiques. Par exemple, il y a Iryu, Suru, Tsurugi, dit Change Dragon, autrement dit Force Rouge, Force Dragon. On a Shoayate, qui se nomme Change Griffon, autrement dit Force Griffon. On a Yuma Ozora, dit Change Pegasus, autrement dit Force Pégase. Sayaka Nagisa, c'est l'une des nanas de la bande, Change Mermaid, autrement dit Force Sirène. Et enfin, la deuxième nana, c'est Mei Tsubasa, Change Phoenix, autrement dit Force Phoenix. Voilà. Bon, ben ça va, ça a l'air d'être bien. Franchement, ça a l'air d'être bien. Eh ben putain, on peut dire que cette série, à l'instar de Bioman, celle-là, elle est stylée. Franchement, elle est stylée. Hein. Voilà donc, mesdames et messieurs, c'est donc la fin donc, de cette vidéo critique spéciale série inconnue. Alors, le bilan de cette spéciale série inconnue. Alors, la série que québécoise Watatato, alors, je la trouve assez bien, même si le concept m'échappe un petit peu, quoi. La série El Chavo de Ocho, bon, elle est aussi bien, ça va, elle est à la norme. Quant à la dernière, la fameuse Den Sentai Changeman, enfin la série japonaise ressemble un peu à Bioman, mais d'un autre genre. Bon, c'est assez bien, mais c'est un petit peu trop copié, papier-collé de Bioman, ainsi que les autres. C'est un petit peu, c'est littéralement l'ancêtre de Power Rangers d'un autre genre. Voilà ce que je voulais dire. Voilà donc, mesdames et messieurs, c'est donc la fin donc de cette vidéo spéciale critique série inconnue. Voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu. Si, comme d'hab, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement. Et d'ici là, salut !